La chaleur de votre présence m'aide à un bien grand réconfort. Je voudrais que nous devenions des amis. De très bonnes amies. N'est-ce pas? Je passe ma vie entourée de gens qui passent la leur à jurer qu'ils sont prêts à mourir pour moi. Mais ce ne sont que des mots. Je dois vous avouer que je n'ai pas une véritable amie. Je me sens très seule. Le roi ne m'est d'aucun secours, d'aucun réconfort. Vous l'avez déjà jugé pour ce qu'il est. Aidez-moi, s'il vous plaît. Sa Majesté m'a pourtant beaucoup impressionnée. Festa forza farina, c'est là son idée du gouvernement. Et il ne s'intéresse qu'à son poisson. Je suis vraiment très seule. Mon Dieu. Emma, notre affection n'a cessé de grandir d'année en année. J'espère que Lord Hamilton ne se plaint pas trop des nombreuses heures que nous passons ensemble. Il comprend que vous avez besoin de moi, Maria. C'est exact. Nous traversons des temps difficiles. Il n'y a que moi dans ce palais qui m'en préoccupe. Hélas. Je sais que les troupes françaises ont assiégé Rome et je sais que des groupes révolutionnaires se forment ici même. Oui, ici, à Naples. J'en ai parlé à Lord Hamilton, selon votre désir. Il m'a promis de demander l'alliance de l'Angleterre et le soutien de la flotte britannique. Tu es un vrai trésor, Emma. J'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer. La flotte britannique se met en route vers l'Afrique pour attaquer les Français. Sous le commandement du vice-amiral Nelson. Nelson? Un homme extraordinairement brave et très beau. Oh, tu en parles comme une femme amoureuse. Je n'ai vu le vice-amiral que deux fois dans ma vie. Deux fois qui ont dû compter, il me semble. Très bien. Je m'arrangerai pour que Ferdinand prenne la tête de 60 000 hommes qui marcheront sur Rome. Et nous attendrons. J'attendrai des nouvelles de la victoire à Rome, et tu attendras les nouvelles de la flotte britannique en Afrique. Et en attendant,